Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur mon support de téléphone pour la mobilette. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo très simple, assez courte. Je me suis confectionné un petit support de téléphone là. Je vais vous montrer, hop, on prend le téléphone et on le met dedans. Hop, c'est nickel ça. Alors je l'ai modélisé sur Fusion 360 et imprimé en 3D. En 3D, du coup ici, bon il tient avec des rixons, faut que je trouve un moyen parce que vous voyez en fait, il peut quand même bouger avec les vibrations, c'est sûr qu'il a bougé. Donc ici en fait, comment que j'ai fait, bah, juste un bras. Et on voit pas trop avec la lumière. Alors comment que je peux vous montrer en mettant de la lumière. Donc si je fais comme ça, voilà, on voit un peu mieux là. Et du coup ici il y a comme des renforts, des équerres. C'est simple, hein, c'est très simple à faire. Ici, donc là, on le voit pas, mais ici, il y a une équerre, ici, et de l'autre côté aussi. Au niveau de l'inclinaison, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus comme ça, sachant que j'en avais déjà fait un, où il était quasiment horizontal. Là, je l'ai refait comme ça, sur l'enseigne, il n'y avait pas, ici, ces caches, c'est-à-dire que le téléphone pouvait être éjecté. Là, je l'ai fait en sorte que le téléphone, en fait, quand bien même, ça viendrait à vibrer beaucoup, il sortira pas quoi, donc ça c'est cool, mais bon il va quand même pouvoir faire ça, donc ça je vais regarder pour mieux le fixer. Ça c'est pas encore un gros souci. Donc voilà, donc là on se retrouve sur Fusion 360 et du coup bah là on voit ma pièce que du coup j'ai faite hier. Alors il y a eu plusieurs on va dire versions. Il me semble que là j'ai l'ancienne version qui est en fait une autre que celle-ci. Oui, ça c'est l'ancienne version avec un renfort bien moindre. Il n'y avait pas les trucs au-dessus. Et le téléphone avait du mal de passer. Et surtout l'inclinaison, bon ça je l'avais cassé exprès parce que je testais justement la résistance. Du coup on avait une inclinaison qui était bien moindre, ce qui faisait qu'il était comme s'il était droit sur la mob. Mais du coup bah le voilà, ça c'est la première version. Si mon PC arrêtait de ramer, ça serait peut-être mieux. Mais voilà, donc en fait cette vidéo elle rejoint voilà, donc ça c'est la pièce. Donc en fait cette vidéo elle rejoint une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, c'est faire ses pièces soi-même. J'ai déjà fait la tulipe, le bouton clignotant. Du coup là je fais mon support de téléphone et j'ai encore pas mal de choses à faire parce que j'ai des petites idées sur la mobilette à faire. Et aussi excusez-moi si je peux pas parler trop fort, c'est que bah, je suis un peu mal et puis il y a quelqu'un qui dort encore. Donc ouais, donc c'était vraiment une petite vidéo pour comment dire, voilà, vous montrer qu'on peut faire ses pièces soi-même et des pièces utiles. Donc voilà, donc si ça vous plaît, si alors c'est fait pour un iPhone 6S, s'il y en a parmi vous qui a un iPhone 6S et que vous voulez ce support, et bah, je peux vous l'envoyer. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est gratuit. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu, même si c'est pas une jolie vidéo comme j'aimerais bien la faire. Mais bon, on va dire que ça fera l'affaire pour un dimanche. Allez, salut!